Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se remet sur Immortal Phoenix Rising, qui j'allais dire, qui est un jeu cool. Oui, forcément, c'est un jeu sympa. Mais ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Alors, je ne sais plus ce que je dois faire. International maintenant. Même un russe avec nous, il a droit. Oui, c'est vrai qu'on a un russe maintenant avec nous. On a ça à faire. Récupérer la pomme de la discorde. Phoenix se dit que rappeler à Aphrodite l'étendue de sa vanité pourrait la convaincre d'ouvrir la crypte contenant son essence. Ok. J'ai deux ambroisies à récupérer en chemin. Et je pourrais faire des scans pour voir s'il n'y a rien d'autre. Quand t'avais combien de followers? Peu! Peu! Effectivement, peu. Bon, je crois que c'était par ici. Là, on a la marmite, je crois. Pardon, le chaudron. Attends, mais pourquoi j'ai des... Au niveau de la carte... Ah! Parce que ça, c'est le... Ok. Un portail situé dans les brisants, c'est rejeté un morceau d'Olympe. Ah, ça c'est donc le DLC, j'imagine. Alors, comment est-ce que on fait? Comment est-ce qu'on fait pour utiliser le cheval déjà? Ah, la bonne idée. Bon, si vous entendez ce bruit, c'est normal. Et salut Neva, comment ça va? Bienvenue à toi, je suis désolé de pas venir plus souvent. Non mais... Il n'y a pas de souci, hein, proxy, tu viens quand tu veux. Excusez-moi, j'essaie de tendre le bras au max. C'est pas pratique du tout. Ah, voilà. Donc oui, si vous entendez ce bruit, c'est qu'il y a ça qui est en train de me prendre l'attention. Et qui me sert de ouf, putain. C'est horrible. Putain, d'autre chose, moi, tu vas voir. Ah, youpa, enfin. T'as des petits problèmes de tension? Bah, là, je suis allé voir un cardiologue suite à... Enfin, à un moment, j'avais fait une sorte de petit malaise en septembre. Bon, on m'a assuré que c'était rien, mais la doc m'a quand même conseillé de voir un cardiologue. Donc ça a mis du temps à se faire parce que bah, à un moment elle était, elle a eu, enfin ou alors elle était en suspicion de Covid ou quoi, donc du coup ça avait pris du temps. Puis ensuite elle m'a donné un rendez-vous, puis elle m'a ausculté, et puis elle m'a donné un autre rendez-vous derrière. Puis moi j'ai dû décaler parce que j'avais un rendez-vous déjà à l'hôpital. Enfin bon, c'est... En gros, voilà, ça a pris 6 mois, quasiment. Mais en gros, voilà, j'ai dû... Là, ça y est, on est en train de voir du coup. J'ai le holter du coup qui est juste ici, qui prend ma tension toutes les 20 minutes en fait. Pendant 24 heures, et ensuite je la revois et on voit ce qu'il en est. Après, a priori, peut-être que j'aurai droit à une échographie, mais ça après, on ne sait pas.
D'accord, mais elle est où cette... Oh putain, ne me dis pas qu'elle va être en bas en fait. Parce que là, normalement, elle est ici, l'ambroisie, hein. Ah, mais remarque. Ah putain. Ça a mal été pris. J'espère que ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Au pire des cas, je devrais prendre un petit traitement pour la tension. Parce que même si aujourd'hui, en fait, c'est pas problématique, faudrait pas que à la longue, en fait, le fait d'avoir une tension un peu haute, ça détériore tout ce qui est artère et compagnie. Donc, c'est pas ultra problématique, mais si jamais il y a un truc pas normal, c'est maintenant qu'il faut le traiter, quoi. Tellement envie de rentrer dans... Chez moi pour jouer à Ryza ou Zestiria parce que... Edna... Ryza... Il m'intéresse, hein, Ryza, là. Il y a Ryza 2 qui est sorti sur Switch. Il est intéressant. Comment on fait déjà? Comment on joue? Ah, de l'ambroisie révélée à 500 mètres. Ah oui, donc elle est vraiment en bas. Tant que c'est pas une coloscopie, c'est moins intéressant. Alors j'avoue que je suis quand même plutôt content que ce soit pas une coloscopie. Mais ouvre-toi! Bon, elle est où cette ambroisie là? Ah, elle est là. Fallait pas descendre autant. Est-ce que je vais pouvoir remonter facilement? Là, telle est la question. Te stream un peu le 2 pour que tu te fasses un avis. Oh, ça. En vrai, il m'intéresse déjà, Ayupan, hein, t'inquiète pas. Après, le truc, c'est que si jamais je le prends, ce qui risque d'arriver, ça va être compliqué. Yes. J'aimerais bien me garder la surprise en vrai. Bien descendre profond, toi. Bah là, je suis descendu un peu trop. Santé, hein. Qu'est-ce que cul sec? Ça veut dire boire d'un coup. Pas que ton cul est sec. Ah. Heureusement, parce que honnêtement, je me vois assez mal me sécher le cul pendant un live, en vrai. J'espère que ton cul n'est pas sec, le pauvre. Ah non, vaut mieux pas. En vrai, je vais pouvoir remonter ici.
portable. Ah. Ah, mais je vois vos likes. Ayupa. Il n'a pas joué et Kelten ne s'est plus monté à cheval. Merci Ayupa pour ton commentaire sur Twitter. Et ça passe sur YouTube, ça va faire des millions de vues. Je me sèche le cul, ça tourne mal. Oh, quelle horreur! Alors, maintenant j'ai vu qu'il y avait une autre ambroisie ici. Je vais peut-être profiter d'être là pour faire. Ah, merci à tous pour vos likes et vos retweets, ça fait plaisir. C'est quoi ça? Là, on me fera pas croire qu'il n'y a pas un truc bizarre. Hein? Ah, on m'a vu? Oh! Putain, mais il y a combien d'ennemis, wesh? Aïe. Yes. Tiens. Yes! Bon, ça va. Le combat, a priori, je m'en souviens un peu. Comment on se bat? C'est vrai que Dodol va stream CS aujourd'hui. Ah, très bonne question. Faut lui demander. Elle est là normalement. Moi ça me fait bizarre par contre. Là je pense que c'est Ambroisie que je vais aller voir ensuite. Là-bas on a du... Ah, un défi tresque. Cool. Un défi de constellation. J'ai un défi de constellation. Tiens, on a une crypte ici? Ah, elle est un peu loin quand même. Elle doit être pas trop dans la même zone. Ok. Je vérifie un petit peu autour si on a tout. Ah! Je vois un truc là. Bon, c'est où? En fait, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs trucs. Donc, du coup, vu que les vibrations se mélangent un petit peu toutes. C'est un peu compliqué. Là, on a un coffre révélé et ouais, tu vois, il y a un autre truc. Une ambroisie. Voilà. Ciao Proxy, merci d'être passé. Ça fait plaisir. Retrouve un peu dans quel thème. Moi, je repasse plus tard, j'ai des soucis de réseau. Ok, Yupa. À bientôt. Si tu es encore là, à bientôt. Mais ce qui me perturbe, c'est que là. Attends, mais ça, c'est à 40. Ah, c'est à 40 mètres, ça doit être pour ce coffre-là, en fait. Ce coffre-là que j'ai déjà révélé. C'est un coffre épique en plus. Ça se trouve, ça va être pour un. Un truc de. Ah, ben non, il est là, le coffre. Mais il faut le déverrouiller et potentiellement avec un mécanisme qu'il y a à l'intérieur de cette espèce de temple. Ou alors, je crois qu'il y a un cyclope au-dessus de la falaise. Le problème, c'est que il faut que je trouve comment est-ce que on déverrouille le pylône de gauche, de droite. Est-ce qu'on essaye de défoncer le cyclope?
C'est peut-être pas une bonne idée. Ah, regardez, non, c'est bon. J'ai trouvé. Alors ça fait quoi? Ah, il faut un objet lourd. Merde. J'avais trouvé une pierre, elle est passée où? Le mec, j'avais trouvé une pierre. Bravo Enshine, tu as trouvé une pierre sur une montagne. Bon, ça devrait aller. Non, ça ne va pas. Déjà maintenant, je veux pas aller pousser demain. Est-ce qu'on peut passer direct à la case JDR? Tu es en manque de JDR? Enfin, je te comprends, j'ai pas trop envie d'aller bosser mercredi non plus. J'ai limite de la chance. Hop. Putain. Mais non! Il m'a défoncé mon truc. Oh putain. Non, je crois que je vais partir de là. Tout ça pour avoir un rocher, quoi. Maintenir X appelé monture. Monture indisponible. D'accord, merci. JDR tous les mardis midi. Midi en France, donc 20h à 22h pour moi. D'accord. Donjons et dragons, nice. Oh putain, je veux pas prendre ça. Mais ça non plus. Putain, mais il y avait des rochers là-haut, j'aurais pu les prendre. Alors moi je veux bien, mais... Oh non. Bon, là on a que lui a priori. Un petit peu plus gérable déjà. Aïe.
Bon, ça c'est fait. Putain, c'est ouf de galérer autant pour trouver des cailloux. J'en ai trop. J'arrive pas à récupérer les autres. Ah ben non, je peux. Bon. Là, j'ai un gros caillou, c'est bon. Merci à Exo pour son like sur Twitter. Alors là, on va pas me dire que là, il n'y a pas la masse qu'il faut. Ah, par contre, c'était pour le coffre. Mais pour ça, en fait, c'est toujours lock. Nouvel équipement, un casque hérissé. Ah. Un casque hérissé. Plus 30% de dégâts avec combo d'achèvement. C'est quoi déjà un combo d'achèvement? C'est quand tu achèves tes ennemis avec un combo? Mais du coup, comment est-ce que tu sais si ça fait 30% de dégâts avant de savoir si ton combo va achever l'adversaire? Ma compréhension est moyenne. Par contre, du coup... Vous avez assez de collecter d'atlants d'adamant jaune pour accroître la capacité de transfert de Phoenix. Et oui. C'est vrai. Mais l'air de rien, je sais toujours pas à quoi sert cette espèce de mini-temple en vrai. Oh putain, merde. Ok, c'est bon, ça a dégonflé. En fait, c'est vrai qu'il faut rester le bras allongé, le bras et qu'il ne bouge pas pendant le temps que ça te prend l'attention. Mais du coup, j'ai tendance peut-être à bouger un petit peu trop. Je sais pas si... Non, je vais pas me refrotter à eux. Pas une bonne idée. Mais par contre, cette espèce de temple, je ne sais toujours pas ce que c'est. Alors, je devrais approcher l'endroit, le second endroit où j'avais vu de l'ambroisie. Oh, tiens, il est juste ici. Donc a priori juste par là. Pour l'instant je ne vois rien. Oups. Ah, tout en bas. Ah bah oui, il est là, regardez. Eh merde. Je sais plus du tout combien j'ai d'ambroisie sur moi.
Ça se voit où? J'en ai trois. Attends, il n'y avait pas un endroit qui permettait de se... Eh, ça risque d'être un petit peu chiant en fait d'arriver tout en haut. Oh, quoique, attendez. Là, on est pas mal. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire ici à part le défi constellation et le défi... Le défi... fresque. C'est un défi fresque. Ah, c'est sur cette île qu'il y a l'ambroisie et le coffre que j'avais vu. Ok. Voyons voir. Le palais Le d'Aphrodite. Eh, palais c'est joli en vrai. d'Aphrodite, la silhouette la plus majestueuse de tous les édifices de l'île d'Or. Pour ce qui est des édifices, peut-être, mais il y a une montagne que je trouve particulièrement royale. Je monte un petit peu le son, que vous entendiez un peu que vous entendiez les graphismes, évidemment. Alors, où est-ce qu'il est le défi fresque? Il est là. Où est-ce qu'il est le défi constellation? Il est là-bas. On dirait qu'il y a une porte. Oh. Tu savais que ce coq fut autrefois le grand Alectryon? Le piaf insupportable d'Hélios? Celui qui hurle Oh à chaque merde. fois que le soleil se lève? En personne, oui. Coupe-lui la tête, Phénix. La dernière chose que j'ai envie d'entendre après avoir bu avec Dionysos, c'est bien cet oiseau. Wow. Attends, 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 attends. Je défonce un petit peu ces mignons. Aïe. Bon, à mon avis, il sera relativement facilement battable. C'est un ennemi unique, comme j'avais battu le taureau, je sais pas quoi, là. J'ai dû rebattre trois fois d'ailleurs. En vrai, il a pas l'air trop dur. Mais où est-ce qu'il va? Entrer en zone de rencontre. Ah oui, alors par contre, il va pas me refaire le coup de. Oh, il va réapparaître dans 3, 2, 1, hop là, toute sa vie! Voilà. Acquisition phosphore au regard de pierre. Et c'est quoi phosphore au regard de pierre? Bonjour Sully, comment ça va? J'adore écouter les graphismes. Je vais encore plus regarder les voix et manger les contrôles. Ça va, j'ai ripé. C'est tout. Ça arrive à tout le monde. Pas vrai? Aïe aïe aïe. Donc, phosphore au regard de pierre, qu'est-ce que c'est? Ah. Et on dit coucou à Zéphyr. C'est dans les aptitudes peut-être? Je pense pas. Hein.
Ça peut pas être dans les bénédictions, c'est les trucs que te donnent les dieux, ça. Faudra que je vois ce que c'est. Ça pique ma curiosité. Kalten, t'es out. Comment ça? Ah, le voilà. Ah, je crois que j'avais déjà fait un truc comme ça. Faut trouver des boules. Tout le monde a fait cette blague. Arrête. Donc faut trouver des boules et les mettre dans Faut reproduire le schéma ici en fait. Mais du coup, il faut que je trouve 5 boules quand même. Où sont les boules? Avec leur pas de geste, hein, du coup. Il y a un truc là-dedans. Est-ce que c'est ça qu'il faut mettre? Mais bon, il me faut du feu alors. Ah oui, regardez, il y a plein de coquillages dans la zone. Comment on fait pour l'ouvrir? Celle-là, je ne sais pas. Celle d'ici, manifestement. Bon. Qu'est-ce qui brille là-bas? De là, on dirait que la fresque brille. Attends, c'est quoi qui brille? C'est très bizarre quand même. Je sais pas si c'est ça. Bon. Ah, ah non, si c'est bon. Oh, champion. Ah! Je l'ai manqué, t'es sérieux? On refait. Yes! Par contre, là, j'en ai une sur 5 en fait. Les défis constellations, ça a l'air d'être des trucs qui sont vachement longs à faire en fait. Attends, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis déconnecté. Mais on va arrêter, on va recommencer.
Hop là, je vais mettre l'écran de pause juste 2 secondes, histoire de brancher. Mais c'est bizarre parce que j'ai pas l'air d'avoir de problème avec mon internet. Ça a l'air d'être Twitch. Hop là, je mets en pause 2 secondes. Parce que oui, je suis hors ligne. Oui, je sais pas ce qui s'est passé. Tout à coup, je me suis vu en déconnecté. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah putain, par contre. L'impression qu'il descend en fait. Et re, du coup, coupure était si violente. Bah ouais, un petit peu. Du coup, je sais pas si vous avez vu le moment où j'ai réussi à ouvrir ça. Mais voilà, du coup, j'ai une perle. Ah, je peux sprinter avec, ça c'est bien. Parce que là, maintenant, il faut que j'en trouve 4 autres. Ça, mais il y a encore des soucis? Moi, de ce que je vois en tout cas sur YouTube, j'arrive bien à me connecter. Sur Twitter, j'arrive bien à me connecter. Bon. Bon, 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 bon. Et coucou Benurix, comment ça va? C'est bon, merci Cyril. Donc, j'espère que tu vas bien Benurix. Je suis désolé, il y a l'air d'y avoir des soucis au niveau de Twitch aujourd'hui. Ça fait 2 fois que je suis déco là. Et ça fait 3 fois que je suis déco. Je vais voir au niveau de ça.
Je suis le seul qui a des problèmes de connexion ou pas? Ça m'inquiète un peu en vrai. Je vais redémarrer la VOD, je sens. Je vous laisse 2 secondes sur la. Je vais redémarrer la VOD, je vais redémarrer OBS, donc du coup je vais arrêter la VOD et je vais couper. A tout de suite. Voilà. On attend éventuellement d'être revenu en ligne. Ça a l'air d'être bon. Re, j'ai relancé OBS. On va voir si ça aura eu un effet. Parce qu'en soi, moi, il n'y a que sur Twitch que j'ai des soucis, en fait, tu vois. Qui a rangé le câble Internet? C'est ça, ben, j'ai personne qui est capable de ronger un câble ici. Puisque, ben, il n'y a que moi. J'espère que ça va aller mieux aussi, parce que c'était un peu relou, là. Ah, allez. On redémarre sur une prise de tension. Qu'est-ce que c'est ça? Aïe. Donc ça, il y a un coquillage. Faut s'en rappeler. Là-dedans, il y a un truc, hein, donc. Je surveille le retour pour voir si c'est bon. Pour l'instant, ça a l'air de tenir un peu plus. C'était peut-être mon OBS en fait qui avait un souci. Ah ouais, non, mais j'ai fait complètement le tour en fait. Non, moi, c'était ça qui me posait problème entre guillemets. Là, on a un truc. Ah, c'est bien, je me suis recassé la gueule exactement de la même façon. On apprécie. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça? Là, j'ai l'impression qu'il y a des trucs en dessous. Enfin, il y a des sims. Ah, il y a une grille. Cool. Comment on l'ouvre? Putain, fallait la trouver cette grille, putain. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, ça ne s'ouvre pas, c'est ça? Ah, ça s'ouvre. Putain, fallait le trouver ça. Tu vas voir que pour ça, on va avoir une récompense toute con. Je suis sûr qu'on va avoir une récompense toute nulle pour ça.
Reviens là. Elle est passée où? Ah. Ouais. Ah putain. Si je la jette dans la mer, est-ce qu'elle réapparaît? Moi, je comptais à ce qu'elle disparaisse et qu'elle réapparaisse là où elle apparaît en fait. Ou là où elle est censée apparaître. Repos et réinitialiser. Utiliser repos pour s'écouler plus rapidement le temps. Réinitialiser les défis. J'ai pas envie de réinitialiser les défis mythiques en vrai. Faut que je regrimpe. Bah disons que si jamais je réinitialise le défi mythique, parce que tu as jeté la galaxie dans la mer, t'as vu ça? Pas trop de galaxie sur la tête, tout va bien. C'est un peu ça. Non mais en vrai j'ai l'impression que si jamais on a fait une connerie, il faut obligatoirement réinitialiser le défi, sauf que... Ah, il y en a qui sont chiants en fait. Enfin, là, il va falloir que je refasse. Encore, j'étais pas très. Maintenez plus permet de se reposer lorsqu'on est en lieu sûr. On va voir. Oh putain. Mais je veux juste monter. Pas ça que j'avais en tête. Non, non plus. Laisse-toi tomber. Laisse-toi tomber. Voilà. J'avais plus espoir que ça. Je crois que le jeu veut vraiment que je me repose. A priori, j'ai. S'il le martèle autant, j'imagine que c'est parce que. Un défi. Ne peut pas se réinitialiser comme ça en fait. Enfin, c'est pas que ça peut pas se réinitialiser. Enfin. Les trucs vont pas réapparaître à la manière, tu sais, dans les cryptes du Tartare. Quand tu perds une boule. Elle réapparaît direct, tu vois. Enfin, plutôt dans Breath of the Wild, dans Immortal Phoenix Rising, faut plutôt appuyer sur un bouton. On y est arrivé. J'ai dû faire un gros détour rien que pour remonter quoi. C'est quoi ça? Ah, c'est une cage pour. On a enfermé un rocher là-dedans. Me pose beaucoup de questions sur les dieux de l'Olympe. Hein.
Regardez. Il n'y a plus. Bon, bah. Reposons-nous. Comme ça, la galaxie ne sera plus jetée dans la mer. Ok. Ça passe tant réinitialisé que ça, même celle-ci que j'avais déjà pris. Oui, d'accord, j'ai bien compris ce que c'est que le repos. Merci. En fait, tout est déjà fait. Il y a juste la position de celui que j'ai pas mis qui a été replacé. Ok. Ah, bonne nouvelle. Je vais peut-être envoyer un petit peu loin. Ah, elle est juste là, ça va. On avance! Il peut être violent. Non, non. Là, ah, ça va peut-être être un truc à faire, genre là-haut. Parce que là, pour le coup, ça, j'avais déjà vu, mais je ne sais pas du tout quoi faire avec ça. Mais je me dis, si ça se trouve, c'est là-haut. Alors c'est là-haut, ou bien ce n'est pas là-haut. Ah, remarque, c'est peut-être en lien avec ce truc justement que j'ai vu tout à l'heure. Ah non, ça c'est une... Ah, mais j'avais mal vu. On dirait une salade. À un moment, il faudra aussi que j'aille avancer la quête principale, je pense. Accessoirement. Ah, c'est ça. Ça voulait une troisième salade. Non. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une carte en vrai. Mais ça ressemble pas à la carte de cette île.
Ça ressemble peut-être à la carte du monde. Mais ça nous indique même pas où est-ce que on est vraiment. On en avait un là. Hein? Ah oui, ça. Ça c'est ouvert, ça c'est ouvert, ça c'est ouvert. Tout ce qui était bizarre dans le coin, je l'ai résolu. Enfin, tout ce que j'ai trouvé bizarre dans le coin, je l'ai résolu. Donc là, j'étais déjà venu, hein, mais... pire. Ça me fait pas mal déjà de prendre un petit peu de hauteur pour voir. Bon, ça mène directement au palais. J'aimerais bien y aller, mais pas tout de suite. Tiens, il y a une porte fermée là-bas. Alors je ne comprends pas à quoi sert cette porte concrètement. C'est pas comme si on pouvait pas la contourner, quoi. Ciao Neva, merci d'être passé. Gros bisous à toi. À bientôt. Ah tiens, les coqs ils sont revenus là en bas. Il y a peut-être des trucs par là, mais là on commence à être un petit peu éloigné, je trouve, du défi de constellation. Ah bah là on arrive à la porte justement. Après ça peut pas trop être en contrebas non plus, parce que pour faire monter les perles, ça devient plus possible en vrai. Ah, il y a peut-être un truc là. Merde, c'était à côté. Ah, ça flambe pas, ça, en fait. Ok. J'aurais pensé. Peut-être qu'on va... On dirait vraiment que c'est fait pour tomber, on est d'accord. Mais peut-être pas comme ça, du coup, je sais pas.
ça, c'est fait. C'est chaud, il m'en manque deux en vrai quand même, hein. Encore deux orbes. Pas du tout où est-ce qu'elle. Ça, je sais pas si c'est un indice, mais même je comprends pas cet indice en fait. Ça ressemble pas à la carte. Enfin, ça ressemble peut-être à cette carte-là, mais. Ensuite, ça ressemble pas du tout à la carte de cette région, en fait. Putain, je sais vraiment pas comment je vais faire pour dormir avec ça, n'empêche. Alors, j'ai pas arrêté de voir de ce côté-là. Et ça c'est pareil, je m'attends à ce que ce soit un petit peu loin pour faire partie du défi constellation en fait. Tiens, on a encore un autre ici. De héron ou je sais pas quoi. Oups. Bon, on a battu celui qui était fort en premier. Oh putain. Travail bien fait, ça. On sait que ça représentait des constellations. Bah moi aussi, mais il y en a qu'une qui est. Alors le truc qui me fait bizarre déjà, c'est que il y en a qu'une qui est allumée. Et si ce qu'on a sous les yeux, c'est une carte, ben ça représente pas l'endroit où on est. Je vais faire l'autre défi, hein. Il y a un défi fresque qui est pas loin. Qui est peut-être là-haut d'ailleurs. Non, c'est pas juste toi. En vrai, c'est un défi qui s'appelle défi constellation, donc c'est pas déconnant, hein, donc. Mais bon, si ça représente un indice, je sais pas du tout ce que c'est. C'est quoi ces pommes géantes? On se calme. Voyons voir donc cette fresque. Donc évidemment les deux du bas sont en haut et les deux du haut sont en bas. On peut pousser comme ça ou pas? Mais non. Eh ben non. Merde, lequel va venir? Je pense que c'est lui qui vient tout à gauche. Par contre, la
La caméra bouge beaucoup dans ces défis, c'est un peu dommage. Là, je pense que là, on est bon. Quand il monte, le phénix. Quoique, non, c'est plutôt comme ça. Je crois que... Voilà, les trucs doivent être rejoints au centre. Voilà. Deux de plus. Putain, j'imagine que le défi constellation, il doit en faire gagner plusieurs. Il doit en faire gagner plus en vrai. Enfin, ça me paraît très logique. Alors, est-ce que je peux espérer? Yes! Un petit saut en longueur. Qu'est-ce que vous faites dans le temple d'Aphrodite, vous? Bande de pervers. Et voilà. Les combats sont assez jouissifs, hein. C'est une grosse pomme, ça. Mais elle est verrouillée. J'ai l'impression d'être arrivé à destination, mais... C'est un peu à côté, apparemment. Attends. On va essayer de se repérer. Donc effectivement, ce n'est pas là. La suite de l'histoire. Ah, merde. Là-bas. C'est pas ici. C'est encore un peu plus loin. Du coup, là, je vois plus rien. Il y a un sous-sol à ce truc. Oh! Oh! Voilà, par contre, je prends les grenades, hein, parce qu'on a toujours besoin. Les grenades, c'est du soin, donc on en a vraiment besoin. Il y a des trucs qui ont l'air de puer, apparemment. Hein. Je sais pas, moi, une fumée verte, ça m'inspire un truc qui pue, ou un truc vénéneux. Ok. Où est le défi constellation? Que ce serait si loin. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Finalement, c'est en ne cherchant pas que j'ai trouvé. Merde, c'était par où ensuite? J'étais passé par là-bas.
Par contre, on récupère plus son énergie. Pas son endurance, j'entends. Je crois que j'approche, il m'en manquera encore une après ça malheureusement. Et bah. Oh, remarque, attends, je peux utiliser le cheval. Non? Wouh! Ah, mais c'était juste là, en fait! Oh, d'accord. Bah! Est-ce que ce cheval s'est suicidé? Ah, et la dernière, elle est là. Ok. Je vois Jean. Yes. On va finir ce putain de défi constellation. Incroyable. C'est juste en dessous. J'ai peur de me casser la gueule par contre. Rip. C'est bon. Tout ça pour des pièces de caron, c'est ça? Pas que deux, j'espère. Je crois que j'ai bien fait quand même. J'ai été arrogant. En tant qu'architecte du labyrinthe du Minotaure, j'ai recherché la perfection sans manifester la moindre compassion. J'ai tué mon neveu, craignant que son génie n'éclipse le mien. J'ai été obsédé par la grandeur. Bon, il faut encore que je trouve la pomme de Discorne. Oui, ou la pomme de la Discord, c'est comme vous voulez. Ah, je peux me déplacer au palais d'Aphrodite maintenant, ça c'est cool. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas de truc par là non plus. A priori, il n'y a rien. Récupérer la pomme de la Discorde à 73 mètres. Ouais, c'est un peu... Oh.
Un peu compliqué en soi, parce que là, manifestement, la pomme... Là, on la voit à 21 mètres, on la voit un peu au-dessus, mais ensuite, dès qu'on monte... Elle est là. Après, ah, attends. Est-ce que ce serait pas ça, tout ça? Là, si c'est ça, je me sens vraiment con. Si c'est ça, la pomme de la Discord, je me sens vraiment con. Et du coup, ça veut dire qu'il faut que je retrouve... J'imagine qu'il faut que je retrouve les trois pommes géantes. Il y en avait une, je l'avais trouvée. Il y en avait une, je l'avais. Je l'ai vue. Attends, il y en a une ici. J'imagine que c'est ça, hein, il faut trouver les trois pommes. Voilà, et bien les placer sur leur autel. Et comme ça, la pomme géante, là, ça doit être ça, la pomme de la Discorde en vrai. Et ben on va pouvoir la récupérer. Mais où est la troisième pomme? Hello Vadi, comment ça va? Bienvenue sur le live. Je suis toujours à Aphrodite. J'arrive à la popom. Oui, t'arrives à la popom. J'ai passé beaucoup de temps sur le défi constellation qu'il y avait juste à côté. Après, j'ai peur que... Là, ça commence à être un petit peu loin. Mais d'un côté, je me dis... À quoi ça sert de nous avoir fait ouvrir une porte qui était tout en bas? Ah putain, c'est vrai que c'est le 1er février aujourd'hui. Faut que je fasse le don. Ah, c'était cette porte-là. Est-ce qu'il y a une pomme géante dans le coin? Pas que je vois. J'ai fait chier beaucoup plus que toi pour cette pomme. Il y a un moyen de contourner ce qu'on nous demande. Ah bon? Ah, j'aime pas trop contourner pour le coup, mais... Alors pour l'instant, je m'y mets juste hein, en vrai. Là, il faut que je retrouve encore une pomme, en vrai. Attends, là, il y a des grenades. Il y a même d'autres coquillages ici. Content là. J'aurais pu faire une attaque discrète. Malheureusement, j'ai pas l'impression qu'il y ait de pommes géantes dans le coin. Encore, ouais. Et là, c'est vraiment Typhon qui les... Donc, le grand méchant, a priori. C'est vraiment lui qui les envoie. Qui les fait apparaître. Mais c'est en fait dans des endroits où il y a des soldats gentils, tu vois. J'espère que Zeus fera de moi un dieu complet un jour. Compte là-dessus.
Je commence à avoir pas mal de... Oh non, sérieusement. C'est pas normal ça. OBS me dit qu'il envoie les trucs impeccables. Bon. Je... Impossible d'accéder à la chaîne ou à laquelle le stream précis, revérifier votre clé de stream. Elle est bien, elle est bien. Bon. On va retenter, mais si jamais ça rebug encore une fois, je pense qu'on s'arrêtera là. A priori, je suis revenu. Recoucou x4, oui, recoucou x4. Donc ouais, de ce que je disais, franchement, on va retenter, mais si jamais ça bug encore une fois, on va se dire que ça va être bon, hein. Et on retentera ce soir. Ce soir, j'avais prévu de streamer Digimon, je crois. Mais c'est vrai que là, ça commence à vraiment être pénible. Ces coupures. D'autant que je comprends pas, en fait, OBS me disait qu'il y avait vraiment pas de problème, quoi. Tu vois? Pur dû à quoi? Bonne question. C'est une excellente question. A priori, ça n'arrive qu'à moi, mais ma connexion internet, elle est bonne, quoi. Donc, ça clignote. Bon, bah, a priori, je vais encore avoir une déco. Enfin, chez moi, ça marche pour l'instant. Baisse et remontée de qualité, d'accord. Ah, attends, voir, il y a des pommes ici. Attends. C'est ici qu'on les avait vues, toutes ces pommes. J'espère que j'ai pas envoyé trop loin. Aha! Ah, c'est pour ça qu'on nous a demandé de... C'est pour ça qu'on nous a demandé d'ouvrir la porte en bas. Tu as peut-être offert à Paris le pouvoir, Hera, mais cela ne t'a pas rapporté la pomme de la discorde. Mais non, c'est pas ça du tout.
Paris se fichait complètement du pouvoir. Il était un esclave de l'amour. Wow. On se calme, Pomme. Voilà, freine un peu. Elle est passée par-dessus bord, non mais où? Athéna, si Paris avait su que la guerre de Troie surviendrait, il aurait peut-être choisi le talent au combat que tu lui avais promis en échange de la pomme. Hélas. Un paradoxe temporel. Wow, tu es plus intelligent que je ne l'imaginais. Parce que je t'imaginais très con. J'ai cru que tu m'envoyais un fion, là. La pomme de la discorde. On peut dire que ça a fichu un sacré tintouin. Trois déesses qui se disputent le titre de la plus belle. Mais notre héros savait que pour Aphrodite, cette pomme symbolisait plus qu'un nombrilisme digne de Narcisse. C'est pour cela qu'il devait gagner. Vraiment? Et quel symbole Phénix voyait-il? La liberté. Non, tout va bien. Et donc, faut que je rapporte la pomme à Athéna, j'imagine. Athéna qui était par là. Ah. Allez, on a un petit mini Draco, ça fait un moment qu'on lui a pas fait un câlin, mini Draco. Il est là. Athéna c'est la meilleure, non c'est Hadès le meilleur dieu grec. On sent la fan d'Hadès, hein. Ah, faut que je continue le jeu, tiens. Oui, moi faut que je commence le jeu. Oups. Désolé, c'était pas ce que je voulais. Moi, il me manque juste une peluche Dracolos. Mais genre grosse peluche Dracolos, pour qu'elle soit raccord avec mini Draco et Draco. Elle était où déjà? C'est elle là-bas? C'est elle. Aphrodite, j'ai quelque chose pour toi. J'en ai assez de tes cadeaux. Pardon, mais mon rôle premier est de donner, pas de recevoir. C'est une autre pomme pour ta collection. Elle est magnifique. Il me la faut. On te voit sur Dragon Quest, Edol. Tu savais que la guerre de Troie n'aurait jamais eu lieu si Eris avait été invité au mariage de Pélée et de Thétis? Quoi? Mais je croyais que c'était une affaire entre Troie et la Grèce. Bien sûr, c'était l'ombre d'Eris. Comment cela a pu m'échapper? Les meilleures fêtes sont celles où la déesse de la discorde vient sans avoir été invitée. Tout le monde sait ça. Combat de filles! Et dire qu'Héra a tiré les cheveux d'Athéna pour une pomme. Sa propre fille. Ah ben oui! Le concours de beauté! On peut savoir quel est le crétin qui a désigné Paris pour être le juge? Il est devant moi. Oui, bon, d'accord. J'avais picolé. Ce n'était pas vraiment la faute de Paris. Héra a proposé de faire de lui le roi de l'Asie et de le couvrir de richesses. Athéna lui offrait la gloire et la renommée guerrière. Mais aucun mortel n'aurait pu résister à la proposition d'Aphrodite. Le véritable amour. Oui, oui, l'amour. C'est celui d'Hélène de Sparte qui intéressait Paris. Alors il a fait ce que tu demandais et a choisi la femme la plus belle. Ce qui, comme tu le sais, a déclenché la guerre de Troie. Je tenais tant à remporter cette pomme. Je la convoitais à tel point que j'ai déclenché une guerre pour l'avoir. Non, j'ai dit Hadès, de nouveau Taïmine. Pour Zeus. Tout ce qui est arrivé ensuite était ma faute. Tu as agi conformément à ta nature, Aphrodite. Voilà pourquoi il vaut mieux que je sois privée de mon essence. Ma nature n'a causé que souffrance. C'est là que tu te trompes, Aphrodite. On ne peut avoir le côté d'une pièce sans l'autre.
Ta passion, ta spontanéité, disons-le, ta jalousie et ta vanité ont fait souffrir, oui. Mais sais-tu à quoi elles ont également donné naissance? Non, à quoi? À certaines des plus belles aventures, des plus grandes épopées et des meilleures histoires que le monde connaîtra jamais. Comme? Je le sais, je suis moi-même conteur. D'accord, on court moins de danger si l'on reste chez soi. Mais tout est plus beau en couleur, tout est plus riche. La passion... Vide l'essence d'Aphrodite et la met dans une voiture. Non mais oh. La morale pétée de Immortals. Oui, c'est bizarre un peu. L'expression de ma jalousie et ma nature la plus sombre. Si tu y entres, le monde me jugera. Et on m'a déjà jugé. Aphrodite, modère-toi. Aphrodite, tu es insupportable. Aphrodite, tu n'apportes que des ennuis. Aphrodite, Aphrodite. Celui qui t'a dit ça te doit des excuses. Ce n'est qu'un crétin. Oui, bon, je l'ai pas dit comme ça. Ah, tu crois? Tu n'as pas à être en compétition pour mon amour, ni celui des autres. Tu es parfaite. Et d'ailleurs, être aussi belle et vouloir en plus une personnalité impeccable, franchement, c'est presque pénible. D'accord. Je vais déplacer cette racine. S'il te plaît, accepte cette bénédiction avant d'entrer. Oui, j'accepte. Le baiser d'Aphrodite. Reste une connasse, c'est trop bien. À cause de toi, des gens meurent, mais on s'amuse. Non, c'est un petit peu ça, Vadi. Bon, allez. Dégagez-vous tous. Ça commence à bien faire. Allez, jouez ailleurs. Elle va rester en arbre? J'ignorais totalement qu'Hermès et Aphrodite étaient si proches. Ils ont même eu un enfant ensemble. Celui qui a porté plus en mer, c'est deux un peu, non? Oui, je pense, oui. Ah, je vois un enfant de genre non-binaire. Ma parole, Zeus. Mais Prométhée, je suis un dieu. Je connais le monde. J'ai pas suivi. Je pense que je vais aller à la Halle des Dieux. Ça fait un moment qu'on est en stream. Héroï pas. Ah, tu arrives quand j'allais. En tout cas, quand j'allais quitter Immortals, je me tâte à faire un petit peu de jeu mobile, mais avec les problèmes de connexion qu'on a eu aujourd'hui, je sais pas. Hermaphrodite, il est censé être intersexe, pas non binaire, c'est pas la même chose. Oui, non, ça oui, ça c'est clair. Être touché une fois ne réinitialise pas la jauge de combo. Ouh. Ça, c'est pas mal. Et donc là, on a une nouvelle mission, mais du coup on va plutôt aller à la Halle des Dieux pour upgrader tout ce qu'on a. J'ai pas fait de crypte aujourd'hui, genre les cryptes du Tartare, j'en ai pas fait. En même temps, je crois que je commence à avoir fait beaucoup de choses dans cette région. Là, il reste quelques coffres à récupérer. Un coffre épique, il y a une ambroisie ici, une là-bas. En fait, j'ai laissé beaucoup de choses. J'ai laissé des choses ici. Bon, il y a un défi mythique déplacement que j'ai laissé. Un défi petite lyre que j'ai laissé, je me souviens plus pourquoi. Enfin bref. Ah si, mais il y avait des trucs aussi qui étaient en hauteur et le tour était maudit, donc du coup on n'avait plus d'endurance, on pouvait pas monter pour aller voir le défi. Je sais pas comment est-ce qu'on règle ça. Enfin bref, nous disions la Halle des Dieux. Ouais, en fait j'avais envie de faire un petit peu de jeu mobile parce que là aujourd'hui il est sorti la dernière coupe de la saison sur Mario Kart Tour typiquement. Donc bon,
Tu vois, au passage, je vais peut-être pouvoir faire passer les pubs de Cooking Dash. Que c'est chiant si jamais je fais ça en live. Tu redonnes de la vie à cette vieille halle poussiéreuse, Aphrodite. Ah putain. De la vie végétale, mais de la vie quand même. Mmh. Elle est là. Dès que je frémis, les écureuils arrivent. Et il y a un nid dans l'une de mes branches. Donc, bientôt les petits oiseaux. Quand au juste? Oh, quelques mois, je dirais. Ah. Alors là, j'ai clairement pas assez. Là, j'ai pas mal de pièces, en vérité. Merde. Dans les pouvoirs divins. Traction d'Hadès. Bon, c'est rapide. Ça, c'était quoi? C'est la charge d'Athéna. Bon, on l'avance, pas de frappe à 5 reprises. Tous les ennemis situés sur le passage. En vrai, je sais pas. Est-ce que j'améliorerais pas des compétences quand même pour être un petit peu plus. Ça sert à quoi la jauge clip regardée? C'est juste que. En gros, je touche combien? 3 centimes, je crois, par clip regardée. Donc, du coup, j'avais mis ça en. En objectif. En fait, c'est surtout qu'à un moment, j'avais vu qu'il était possible de faire une jauge de clip regardé. Je me suis dit, tiens, je vais la mettre. Un petit peu comme le boss à battre. Il reste une semaine pour la saison, non? Oui, oui, oui. C'est juste que là, il y a la dernière qui est sortie aujourd'hui. Mais du coup, on a... On a... Il reste encore une semaine et demie. Un peu moins. Un peu moins d'une semaine et demie. Ah, lame nage peut-être. Pointe en natation. Je voulais faire ça, peut-être. En vrai, il n'y a pas grand-chose qui me tente beaucoup, beaucoup hein, dans ce qui reste. Au niveau de l'esquive. Esquive à l'épée, esquive à la hache. On peut prendre ça. Esquive améliorée. Possibilité d'exécuter 5 esquives successives. Je prends. Est-ce qu'il n'y a pas un pouvoir divin qu'on peut avoir en plus? Ça, c'est quoi? Ah oui, la flèche d'Apollon. Là, on peut contrôler la vitesse. La flèche d'Apollon explose désormais en cas de tir dans la tête. Inflige sans... Ouais, c'est pas mal ça en vrai aussi. Bon allez, je vais prendre ça. Voilà. Bon, repose-toi bien, Ayupa, du coup. Ça c'est bon, ça c'est pour changer le skin, non, ça non, ça préparer des potions ça sera bien, mais avant ça j'aimerais, voilà, améliorer mon équipement. Améliorer les potions, non, je peux pas, les arcs, bouffe, je peux pas améliorer les trucs. Pour améliorer les armures et les casques au pire. Mais en vrai, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout améliorer les épées et les haches. Bon, après, il me manque vraiment beaucoup de gemmes rouges, donc c'est peut-être pas judicieux. Vaut mieux essayer d'augmenter les casques et les... Eh ben non, pas les casques, vu qu'il me manque des trucs violets. Ah, en fait, je peux vraiment rien améliorer. Je peux améliorer les flèches d'Apollon, mais franchement, ça m'intéresse pas des masses, vu que j'ai pas la sensation d'en manquer. Là...
Là, j'ai pas assez d'ambroisie, je crois. Bon, on va préparer des... On va préparer des potions, hein. Quelle saison? J'ai pas tout suivi, je crois. Là, j'ai surtout joué un petit peu. Ah, ok, ben bon... Bon jeu, Ayuba. La saison des chats sur Mario Kart Tour. Qui a commencé mercredi dernier. Et donc, du coup, il reste encore un peu plus d'une semaine et demie pour la faire. Voilà. Bon, on va faire... Mais non, on va faire les préparations, Max. Là, j'ai récolté pas mal de grenades, donc voilà. J'ai quasiment tout au max. Ah. On peut améliorer les potions aussi avec les gemmes rouges, là. Je veux... Ah, là, attends, mais la vitalité puissante... là, j'ai... Si elle me régénère 6 fragments... j'aurais bien aimé améliorer ça. Sauf que en soi, ça me sert pas à grand chose. Ah putain, c'est vrai que j'ai des trucs de l'énergie aussi. Je vais m'arrêter là, je pense. Donc oui, j'aurais bien aimé augmenter la puissance des potions de vitalité. Sauf que les potions de vitalité, elles me régénèrent déjà 6 segments. Et c'est mon maximum en fait. Donc ça sert à rien que je fasse ça maintenant, en soi. Hop là. Je passe encore des pubs. Parce que je suis en retard. Ah non, mais t'inquiète pas, t'as encore plus d'une semaine. Même si j'ai pas d'espoir d'avoir Peach. J'aimerais bien l'avoir aussi. Parce que j'ai déjà quasiment toutes les Peach. Donc j'aimerais bien l'avoir elle aussi. Même si je suis pas grand fan de Peach. Pas le fameux jeu qui est interdit chez moi. Comment ça? Ah, belle. Sérieux, c'est interdit en Belgique? Tu as de l'électrum qui te brûle les poches? Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Les jeux gacha sont interdits en Belgique. Oh. Ah ouais, d'accord, mais du coup, j'ai envie de dire, t'as un nombre incalculable maintenant de jeux qui sont des gachas, quoi. Même Puzzle and Dragon, c'était un jeu gacha. Comme un jeu d'argent, et les jeux d'argent sont pas autorisés là-bas, d'accord. Bah ouais, rip du coup, parce que enfin, c'est dommage. Enfin, ça vous prive non seulement de Mario Kart Tour, mais de plein de jeux en fait. Par contre, les bureaux de Paris, on a partout et ça gêne personne. Les bureaux de Paris. Ah oui, ah oui, d'accord. Ok, donc jeu d'argent, c'est pas autorisé. Par contre, les paris, c'est autorisé. Ok, très bien. C'est chaud. Bon, je vais arrêter la VOD ici. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve une prochaine fois. D'ici peu, va y avoir aussi une VOD Digimon qui va suivre, puisque je vais streamer Digimon ce soir. Restez aux aguets. Et puis, on se retrouve... On se retrouve une autre fois. Allez, ciao.